Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft et aujourd'hui les amis, vidéo très importante puisque nouvelle vidéo avec mon fils, mais c'est pas tout, aujourd'hui on va ouvrir la fameuse porte des 500 000 abonnés dans le laboratoire secret, donc voilà, on va l'ouvrir avec mon fils aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude pensez à lâcher un gros pouce bleu, il faut au moins 15 000 likes pour cette vidéo, je sais que vous pouvez le faire les potes, et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours, et regardez hop, le bouton s'abonner, il est juste là, vous cliquez dessus, c'est gratuit, ça prend 2 secondes à faire et si vous n'avez pas de compte YouTube, et bien abonnez, enfin créez-vous un compte YouTube et abonnez-vous puisque la plupart des gens qui regardent mes vidéos, plus de la moitié, je crois que c'est 55% des gens qui regardent mes vidéos, et bien ils sont pas abonnés, je trouve ça un truc de ouf quand même, que plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés, donc faites-le, puisqu'on a atteint quand même les 500 000 abonnés, imaginez, il y a que la moitié qui sont abonnés, c'est-à-dire qu'on serait 1 million et ça aurait été trop cool, mais bon, voilà, je comprends que ils peuvent pas se créer de compte et tout, mais ça prend 2 secondes et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire pour vous abonner, vous ne louperez plus aucune vidéo. Donc je tenais aussi à remercier les gens qui se sont abonnés avec des abonnements payants, c'est le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo, sinon c'est le lien devient membre dans la description tout simplement. Donc regardez, il y a Natrix, Jason, Monica et Choco Léo. Donc merci énormément à vous, ça fait super plaisir les potes. Ils ont pris un abonnement payant à partir de 5€ par mois. Et d'ailleurs Natrix a pris le plus cher, le Oxydieu. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui en ont pris des à 10€, etc. dans ceux que j'ai remercié aujourd'hui. Et donc voilà, donc il aura sa rue aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais faire? Je sais même plus ce que j'allais faire. En tout cas, il faut aller voir mon fils. Je crois qu'il est dans sa chambre. Oui, il est dans sa chambre. Il regarde la télé. Toujours le même programme. Et voilà. Donc voilà. Bon, du coup, chacun aura. Enfin, voilà. Donc, Natrix, il aura même sa statuette et tout parce qu'il a pris le plus cher, évidemment. Ah oui, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est comme d'habitude où trouver le lien pour devenir sponsor, les amis, pour devenir membre de la chaîne. Vous ferez partie de la familia, la familia, comme je dis en live, la famille. Donc regardez, c'est en dessous de la vidéo. Il y a marqué deviens membre avec un cœur et il y a un lien pour devenir membre. Alors c'est des abonnements payants, évidemment. Mais ça permet de me soutenir en ce temps de coronavirus. En fait, les marques elles investissent plus dans YouTube et du coup, bah nous on est plus payé, pratiquement plus payé parce que d'habitude je gagne de l'argent grâce à la pub qu'il y a entre mes vidéos et tout. Mais là, il n'y a plus de pub donc voilà. Bon, c'est à cause du coronavirus, mais bon. Et en dessous, si vous voulez acheter des t-shirts, il y a ma boutique de t-shirts au passage. Voilà. Du coup, les potes, on va aller voir mon fils et on va installer les statues de la semaine, etc. etc. Chambre de Nils. Oui. Oh, je rentre. C'est bon, je peux rentrer, hein. Oui. Bon, tu faisais quoi? Oh. Ah, je joue. Tu joues? Ah ouais, je pensais oui. Que tu regardais un dessin animé. Ok. Ah non, c'est ma Switch. D'accord. Ah oui, la Switch. Elle est toujours aussi belle, sa Nintendo Switch. Bon, du coup, Nils, t'es prêt à ouvrir la porte des 500 000 abonnés ou pas? Oui. Ok, ok. Bon, c'est trop bien. Ah ouais, ça va être trop bien. On sait pas encore ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, vous nous avez donné pas mal d'indices. Enfin, c'est pas des indices, mais c'est des petits conseils. Par exemple, à l'entrée du bunker, il y a un tas de gravier. Enfin, à l'entrée du laboratoire, il y a un tas de gravier. Vous voulez qu'on l'enlève et tout parce que il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait un secret derrière. Donc, on va aller voir tout ça. Et avant, par contre, bah viens, on va aller faire du repérage avant. Okay. Avant tout. Donc viens, on va aller faire du repérage, tac. Parle un peu plus fort, Nils. Parle un peu plus fort, voilà. Hop. Du coup, ok. Donc, le laboratoire secret, voilà. On entre dans le laboratoire secret. Et oui, on entre à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est là que vous voulez qu'on creuse. Donc, on va creuser après. Et ce qu'on va ouvrir aujourd'hui, les amis, c'est cette porte-là. Et vu comment elle est blindée, à mon avis, il y a un truc de ouf derrière. Puisque toutes les portes à ouvrir, les autres, elles sont en mode en fer. Et voilà, et celle-là c'est vraiment un coffre-fort. Donc ça doit regorger de plein de secrets. D'ailleurs j'ai une question à te poser, Nils. Oui. T'as le cadeau, il me l'a fait remarquer hier dans une vidéo. Je crois que c'est t'as le cadeau ou Carlos, je sais plus trop. Et en gros regarde, il y a 2 portes ici. Tu les avais remarquées toi? Ah non. Bah moi non plus, je sais pas si elles sont apparues comme ça. Mais dans ma tête genre je les ai jamais vues en fait. C'est ça qui est vraiment troublant. Bon, viens, on remonte. On va les ouvrir juste après les portes, les amis. On va enlever tout ça après. C'est juste là, il faut remercier les sponsors de la semaine, les amis. Puisque tous ceux qui ont pris un Oxyor, Oxy VIP ou un Oxydieu, donc c'est les abonnements payants, eh bien, ils auront le droit à leur petite statuette. Et Natrix, comme il a pris un Oxydieu, il aura le droit à sa rue carrément. Puisqu'on ajoute des rues, du coup, pour les sponsors les plus chers.
tac, voilà. En fait, c'est suivant le degré de sponsor, voilà. Donc au préalable, j'ai déjà mis les panneaux, voilà, et Nils, il aura plus qu'à mettre les statuettes et on les remerciera, puisqu'en fait, vous êtes de plus en plus, vous avez vu, à prendre des abonnements payants et la salle, elle est pleine. Alors, on pourra encore ajouter quelques blocs ici, mais sinon la salle, elle sera totalement pleine. Donc, du coup, tu peux commencer à prendre tes petites statuettes dans ton inventaire, voilà. Et on va commencer par remercier TM Rafale. Merci beaucoup TM Rafale. Il a dû prendre un Oxyor, je crois. Donc Mariam maintenant. Mariam, merci beaucoup à toi Mariam. Oh mais la statue est droite, oh voyons Nils. Ouais, pardon. merci beaucoup à Hugo Stein. Hugo Stein, merci beaucoup à toi pour ton Oxy sponsor. Non, c'est un Oxyor ou Oxy VIP, je sais plus trop. Donc merci beaucoup à toi Hugo Stein, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à Sousa Yas d'avoir pris aussi un sponsor. Vas-y, tu peux lui mettre sa petite statue. Hop. Vas-y, maintenant, il faut monter. Parce que là, ça va être un peu trop bas pour toi. Voilà, prends des blocs. Et maintenant, on remercie Stéphanie M. Voilà, je mets pas les noms de famille. Puisque là, avant, il y avait quelques noms de famille et tout. Donc, je vais éviter. Je vais mettre les initiaux plutôt. Donc, merci beaucoup à Angélique S aussi. Ça fait super plaisir. Stéphanie M, Angélique S. Merci beaucoup à Ninjax 59. Merci énormément à Colin L. À Nathan B, merci beaucoup à vous les potes. Merci beaucoup à Brigitte M. Merci beaucoup. C'est Brigitte Macron. Ah ouais? Ah, c'est Brigitte Macron. Bon, merci beaucoup à Brigitte M. Merci beaucoup à Peggy G. Et merci beaucoup à Ala Denise Nathan. Voilà. Et les amis, on est juste après le tournage de la vidéo. J'ai fait un live et il y a eu Gab qui est devenu aussi oxydieux. Donc du coup, j'ai fait une petite coupure et du coup, je lui mets une petite statue. Ne me demandez pas pourquoi j'ai les cheveux comme ça. Voilà, vous verrez dans la vidéo de demain. Et du coup, juste après, je vais lui faire aussi sa rue à lui. C'était toutes les personnes. Ah non, il en reste deux. Il reste Elodie, G et Natrix, évidemment. Par contre, j'ai plus de statues en or, il reste que des statues comme ça. Ah, quoi, il reste une statue en bronze pour Natrix? Non, je rigole. Mais en plus, Natrix, c'est celui qui a pris un oxydieu. Non, il faut lui mettre deux statuettes en plus. Bon, voilà, merci beaucoup d'avoir pris un oxyor ou un oxy VIP ou un oxydieu. Je vous rappelle, vous avez plein d'avantages, notamment celui-là. Donc, si vous voulez avoir une dédicace dans la vidéo de samedi prochain, si vous voulez avoir une dédicace dans la vidéo de demain, vous prenez n'importe quel abonnement payant. Sinon, vous prenez un oxydieu, oxy VIP ou oxyor. Si vous voulez avoir une statuette la semaine prochaine, samedi prochain, dimanche. Qu'est-ce que je dis moi? Samedi prochain, 10h. Juste, j'ai oublié de... Pour la rue de Natrix, j'ai oublié de faire... de faire le panneau. Regarde, d'habitude, pour les rues, il y a ça. Hop, regarde. Pour les rues, il y a ça. Tac. Mmh. Tu vois? Et en fait, j'ai oublié de lui faire son image. Donc, on lui mettra à la fin, ok? Okay. On lui fera sa rue à la fin. Bon les amis, vous avez compris, on lui fera sa rue à la fin parce que sinon c'est le bordel. Bon du coup, ça fait quand même pas mal de temps qu'on blablate. Viens, on va descendre Nils. Allez, on y va. Et on y va, allez, hop. Et du coup là, on va commencer par faire la première chose, c'est d'enlever tout le gravier qu'il y a ici. Parce que c'est vrai que c'est bizarre, il n'y a même pas de porte comme le reste ici. C'est juste un bout de couloir, c'est bizarre. Bah vas-y, je te laisse commencer à creuser. Bah je creuse et après tu fais, voilà. Fais le sale boulot. Fais le sale boulot. Oh, ah bah tiens, bah y a une caisse, on avait raison. Y a quoi dans la caisse? Des livres, c'est nul. Ah, y a un cadre. Wide photo frame, ok. Alors, on va voir, ça se trouve, y a des trucs décrits dans le livre, les amis. Alors, bah, c'est pas fini ici. C'est pas fini? Ah, ouais, ça se trouve, y a d'autres trucs derrière. Hein. Bon, non, je pense pas. On sait pas, hein. On verra. Bon, du coup, là, on a trois livres. Ah, il y a des trucs de marqués. Ah, c'est un journal de bord. Ok. Journal de bord numéro 3609. On a trouvé un endroit pour construire le laboratoire. Nous commençons la construction dès aujourd'hui. Ok, d'accord. Ah oui, parce que... Ok, donc, t'as vu, on commence à vraiment avoir des indices. C'est vraiment des indices. C'est trop cool. Ouais. Merci beaucoup à l'abonné qui nous a dit ça parce que je vous rappelle que notre maison elle est au-dessus et on a appris l'existence de ce laboratoire qu'il y a même pas 3 semaines alors que ça fait 4-5 mois qu'on est dans cette nouvelle maison. Donc du coup les amis, je vous jure là c'est un truc de ouf. Et du coup on commence à avoir des informations parce qu'on savait pas de quand il datait, qui l'a fait et tout. Et là on va peut-être découvrir des trucs. Donc du coup là le gars il vient d'arriver sur le terrain et il commence la construction du laboratoire. Donc déjà 3609 le journal de bord. Alors, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et on a 3610 maintenant, journal de bord 3610. Lors du forage de la salle principale, mon assistant ainsi que deux de nos ouvriers sont décédés dû à un éboulement. Waouh, je continue désormais le travail seul. Waouh, t'as entendu ça?
Ah oui, c'est triste. En gros, pendant que le scientifique il a construit le laboratoire, il y a son coéquipier et deux de ses ouvriers qui sont morts ici. Ça se trouve, il y a encore leurs ossements. Ça se trouve, il y a encore leur corps. Ouah, les amis. Ouais, ça se trouve, c'est ça qu'il y a derrière la porte. Oh là, j'ai trop peur. Bon, du coup, le troisième, c'est quoi? Ouais, il est beaucoup plus long. Ok. Journal de bord numéro 3611. La salle principale est terminée. Donc, ça doit être celle où on est là. J'ai demandé la livraison des machines. Elles arriveront par fusée d'ici 2 ans. Quoi? Par fusée? Ok. 2 ans, oui, c'est pas Amazon en tout cas, hein, ça met un peu de temps. Espérons qu'elle ne se crache pas en route. Si les machines tombent sur Terre et qu'un humain découvre ça. Qu'un humain les découvre, ça serait une catastrophe. Quoi, mais attends. Qu'un humain les découvre. T'as vu, il parle de fusée et il parle d'humain. Tu crois pas que c'est des. Oh, imagine, c'est des extraterrestres qui ont construit ça. Attends, mais t'as pas trouvé un cadre? Si, il y a un cadre là. Attends, mais y'a quoi dedans? Je sais pas, faut le mettre. Oh oui. Wouah. C'est des as, il fait peur. C'est une photo de lui dans son vaisseau spatial et il y a la Terre, il allait arriver sur Terre, c'est sûr. Oh les amis, je suis choqué. Ouais, du coup. C'est... Ah, mais oui, c'est mais c'est aussi. Clair, mais là c'est sûr. Eh, hey, tu crois que c'est les amis de Carlos qui sont arrivés ici? Ah, c'est peut-être, faut lui demander. Non, faut pas lui demander, t'es fou. Ça se trouve, il va commencer à recontacter ses amis aliens, il va tous nous tuer. Non. Non, t'as vu, il dit, si les humains découvrent les machines qui viennent d'arriver, et bah, ça serait la catastrophe. Déjà, on en a découvert une. C'est la machine où on a ressuscité Luki. T'as vu la machine que c'est quand même? C'est vrai que c'est grand. C'est cette machine-là. Donc, on a découvert cette machine-là. Voilà. Ah oui, là, on a enfermé mon clone. Regarde pas, on m'a cloné. En fait, on a cloné un clone de moi et il y a un deuxième moi là-bas. Bon, on va pas voir la machine. Les amis, il faut pas aller voir. Bon, Nils, regarde pas. Hein. Bon, du coup, voilà. La première machine, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres machines. Et c'est-à-dire qu'il y a probablement une autre machine derrière, ultra secrète. Mais ça va être super dangereux de cette machine. Tu penses qu'on doit y aller? Bah, je sais pas quand même. Si un humain les découvre, ça serait une catastrophe. On va les découvrir aujourd'hui, c'est sûr. Hein. Ça se trouve, il y a toutes les machines derrière. Vas-y. Tu veux ouvrir? T'es sûr? Vas-y. Ok. Alors, les amis, juste avant... C'est courageux. Juste avant, les amis, je tenais à vous remercier puisque les 500 000 abonnés ont été atteints. En live, en plus, c'était trop, trop bien. Donc, merci à ceux qui étaient là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Continuez de vous abonner pour ouvrir les portes suivantes parce qu'il n'y a pas... C'est pas parce que cette porte, voilà, elle est ouverte qu'il n'y a plus rien. Après, il y a les 510 000 abonnés. On ouvrira cette porte-là. Il y aura peut-être d'autres machines. 520 000, cette porte-là. Et 530 000, il y aura ce couloir-là avec peut-être d'autres portes. Voilà. Donc, continuez de vous abonner, les potes. C'est super important, c'est le bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Et en plus de ça, voilà, vous aurez une dédicace dans la vidéo si vous prenez un abonnement payant et tout. Bon, vas-y, ouvre, je te laisse l'honneur. C'est comme la dernière fois. Ok, c'est comme la dernière fois, il y a du gravier. On creuse. Ouais. Oh, il y a un couloir. Ok. Ouais, c'est obscur. Ouais, c'est sombre. Ok, c'est cassé. Ah ouais, c'est cassé, ok. Oh, c'est quoi? Regarde pas, saute. Touche pas le liquide. Il y a encore des trucs là. Ok, on se fraye un chemin. Oh, wow, c'est ça les machines. Portal Gun Texture Alt 2. Portal Gun Texture Alternate 1. Alternate 1. 3. Qu'est-ce que c'est? Wow, c'est quoi ces machines? Attends, j'essaye. Fais gaffe, me vise pas, j'ai pas envie de mourir. Ok. Oh, c'est lourd. Salle de test. Viens, on va dans la salle de test. Voilà, reste pas ici. Attends. Reste pas ici. Hop. Waouh. Mais les amis, ce laboratoire, il est interminable. Et il faut réparer, hein, c'est comme l'autre. Bon, vas-y, attends, je répare. Tac, voilà, je vais réparer assez vite, les amis. On déblaye. Tac, tac. Ça, on va enlever. Attention, chaud. Ok. Waouh. Waouh, il y a une boule de feu, ok. Il y a une caisse ici. Il y a encore un livre. C'est quoi ça? Documentation portail. Après des mois de recherche, j'ai terminé le premier prototype de portail infini. Il a demandé beaucoup de ressources pour le fabriquer et j'ai failli mourir en le testant. Quoi? Une arme dangereuse. Touche pas, Nils, touche pas, touche. Jette-le. Qu'est-ce que c'est? T'as, ent-
dans le livre, regarde la documentation, c'est marqué « J'ai failli mourir en le testant, c'est une arme dangereuse, point d'interrogation. » Il se pose une question, le gars. C'est une arme dangereuse. Oh. Waouh. Attends, mais... Waouh, il y a un truc, ça m'a mis un truc sur mon curseur. Waouh, les amis, c'est un truc de ouf. Ok. Attends, la salle d'avant, c'était pas fini. Ouais, la salle, ouais, il faut les nettoyer. Aide-moi à nettoyer la salle avant. Comme ça, on rétablit toutes les lumières, on remet tout bien. Je remets le verre. Ah, il y a des panneaux. Où ça? Ici. Oh. Attention. Les bottes de chute longues ne protègent pas. À 100%. À 100% des soyez à des chutes, soyez prudents et ne sautez pas trop haut. Ok, alors d'après ce qu'on a compris, c'est un truc de portail, de téléportation. Et c'est très bizarre. Attendez, je vais augmenter le son parce que, écoutez, il fait vraiment un bruit bizarre le truc. Bon, je le garde, tu touches pas Nils, hein. C'est moi qui va le tester en premier, ok? Ouais, je répare. Hop, hop. Ouais, on répare pour l'instant, on répare. Tac, tac. Faut mettre des leviers. Y a pas des leviers ici? Levier, voilà. On va mettre des leviers pour allumer les lampes. Voilà, c'est provisoire, mais au moins ça marche. On peut mettre comme les autres lumières. Ouais, ouais. Au pire, on peut mettre comme les autres lumières, ouais. Tac. Mais c'est juste pour avoir un peu de lumière. Comme ça, on allume tout et tout. Je vous dis, à chaque fois, avant de tester les machines, on essaie que tout soit bien rénové et tout, parce que en fait, vous avez vu, ça se trouve, le laboratoire, il a été créé par les aliens il y a genre 2000 ans. On sait pas en fait. Donc du coup c'est pour ça là s'il y a un truc de cassé qui va pas et tout et qu'on commence à faire n'importe quoi, ça va pas du tout. Ok. Ouais, ça répare tout. Ouais ouais. Il y a encore des trucs au plafond à réparer. Ok. Oui mais c'est haut. C'est haut. Ok. Alors attends. Tac, tac. Voilà. T'as vu, il y a un bureau au-dessus. Ah ouais, tu penses qu'on peut y aller? On met des escaliers. T'inquiète. Je connais les amis. Bon, en tout cas, c'est super cool, on découvre plein de trucs. Tac, voilà. On va casser ça, ça. Ok, il y a une porte condamnée encore. J'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière. Ok. Waouh, il y a un alien. Oh, c'est sûr, bah c'est bon, c'est un extraterrestre. On est sûr que c'est les extraterrestres là. Hein. Avec la photo de tout à l'heure. Ça, plus ça, on est sûr et certain là. Et toi, t'as vu l'arme? Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Attends. Oh, j'ai envie d'essayer. Attends, au pire, si tu veux, j'essaye. On teste, on va casser le truc là. On peut tester sur. C'est quoi? Sur les trucs blancs, peut-être? Oui. À ce qui paraît, ça crée un portail du coup. Là, faut que tu fasses quoi? Oh! Wouah! Wow. Oh! Wow. On peut rentrer dedans? Non, on peut pas. T'es rentré. Non, t'es. Ok. Et bah, attends, je vais essayer de le remettre. Ok, on peut le mettre partout déjà. Ah non, on peut le mettre que sur les surfaces blanches. T'as pas un autre bouton qui peut faire quelque chose d'autre? Si, un deuxième bouton. Tu veux que j'appuie dessus? Vas-y. Là. Oh. Wouah! Ok. Attends. Vas-y, rentre dans le portail. Oh! Wouah! Non! Si! Vas-y, rentre. Vas-y, attends, re-rentre dans l'autre, vas-y. Wouah, attendez les amis, je vais tester. Wouah, je me suis vu. Wouah. Attendez, faut faire d'autres trucs. Et si je le fais à côté, ici. Ici. Vas-y, rentre dans le portail. Wouah. Wouah les amis, mais c'est... Oh, non mais c'est normal que ça soit une arme ultra dangereuse. Ah, ça marche pas, t'as vu? Ah si, ça marche, ok. Ah, j'ai une idée. Si on se met là, est-ce qu'on va tomber ici? Wouah, si, je suis tombé. Wouah, c'est incroyable. Wouah, ça me fait mal à la tête, ok. Vas-y, essaie de rentrer dans le portail. Wouah. Wouah, les amis, c'est incroyable. Vas-y, on essaie de... Attends, si on fait la boule de feu comme ça. Elle va se téléporter, ça veut dire, la boule de feu. Il faut se prendre le bien aussi de portail. Oui, prends-en un. Bon, ça va, c'est pas si dangereux que ça. Donc du coup, là, si je mets une boule de feu, qu'elle atterrit là-dedans et qu'elle arrive ici, et bah le feu, il arrivera là, normalement. Vas-y. Waouh. Les amis, je crois qu'on a découvert la machine du démon.
C'est trop bien. Attends, c'est un truc. Attends, enlève ton... Ouais. Oh, tu l'as mis où? Ici. Ah ouais, ok, ouais, vas-y. Là. Ah, ah, ça tire à côté. Raté. Waouh. Ah ouais, ça fait une cible. Ok. Et là? Oh, ça s'est mis, attends. Oui, je crois que ça s'est mis. Ah, ça marche pas tout le temps, hein. Mais du coup? Ouais. T'es où? Coucou. Ah, trop bien. Du coup, c'est dire je peux aller là. Attends. Là, et je rentre par là. Ou je peux même rentrer par là, tiens. Regardez. Hop. Wouh. Ah non, je suis retombé. Je vais éviter d'y aller trop fort. Voilà. Ah non. Ouais, écoutez, je vais rentrer comme ça, voilà. Ah ouais. Attends, ça arrive. Eh, ça rigole pas. Mais c'est trop bien. On pourra se téléporter n'importe où comme ça. Wouah, oh. T'as vu? C'est les ouvriers. C'est les ouvriers. Ok les amis, bon je trouve ça incroyable. Du coup j'ai eu le temps de changer la batterie de mon appareil photo pour filmer. Et du coup Nils, c'est une bonne idée. C'était d'aller dehors du coup pour tester. Et du coup j'ai aussi vu que regarde, il y en a plein. Ah ouais, il y en a des roses et tout. Il y en a toutes les couleurs en fait. Ok, bah vas-y, viens on sort. Attends. Quoi? Regarde là-haut. Ouais. Ouais, il y a quoi là-haut? Ah ouais, t'as mis un portail là. Attends, je vais voir ce qu'il y a. Ah bah c'est pratique. Vas-y, moi je sors, hein. Moi en tout cas je sors. Eh, mais attends, ça veut dire qu'on peut rentrer et sortir dans le labo comme on veut. Si je fais un portail là et j'en mets un dehors. Attends, je vais tester. Bon, du coup les amis, on va sortir. Ah mais c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça tellement dingue. C'est incroyable. Je compte sur vous pour mettre plein de likes, hein. C'est un truc de fou. Ok. Et c'est pour ça, aperture en fait. Aperture. Ok. Bon, du coup on va monter. Hop. Voilà. Et on va aller dehors pour voir ce que ça donne. Du coup là, si je me trompe pas, on fait ça. Et là. Ah ouais, on passe du laboratoire à dehors. Ok. Waouh, c'est incroyable. Et du coup on peut aller où on veut comme ça. Si je mets un truc sur le ici. Et là. Comme ça. Là je peux arriver là. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, y a moyen de s'amuser, dites-nous ce qu'on peut faire comme prank les amis dans les commentaires. Franchement ça peut être un truc de fou. Du coup, en attendant, viens on va faire la rue pour Natrix. On va faire la rue pour Natrix. Eh, on a même plus besoin de marcher, regarde. On va faire la rue là-bas. Et on fait comme ça. Ah, ça marche partout. Il faut le mettre sur le là. Voilà. Et là, moi, je me mets là. Voilà. Et hop là. Et voilà. Ça va vite, hein. Hop là. Bon, du coup, là, ça va être la rue. Bah, ici, là, justement. Attends. Il faut faire ça. Enlève ton portail. Voilà. Il faut personne le sache, après, on va nous les voler. Ah ouais. Par contre, regarde bien s'il y a. Voilà. Ah, attends, hop. Off. Voilà, Natrix. Et du coup, Gab, toi, ta rue, ça sera, hop, celle-là, tac, ça sera la rue avec de chez Manon. Et donc, voilà, j'espère que ça te plaît. Donc, voilà, c'est cette rue-là jusqu'au bout là-bas, de là jusqu'au bout là-bas. Et regarde, c'est magnifique. Regarde bien s'il n'y a personne qui te regarde, hein. Parce que s'il y a quelqu'un qui te regarde, ouais, faut le remettre dans le laboratoire parce que t'as entendu le livre, hein. C'est, à ce qui paraît, c'est ultra dangereux. Si les humains découvrent ça, ça serait une catastrophe. Ça peut tuer des gens, à ce qui paraît. Donc faire très attention. Bon, en tout cas, merci beaucoup Natrix. Du coup, tu as ta rue pour toi. Regarde, elle est là. Donc du coup, ce sera ta rue ici. Et elle est assez proche de la maison. C'est plutôt cool. Vas-y, viens, on essaie de tenter sur des grands bâtiments. Hop. Déjà, moi, je vais me déplacer plus vite. Je vais aller genre là-bas. Hop là, voilà. Ça va plus vite comme ça. Attends, mais... Quoi? Attends. Il y a un autre bouton qu'on a pas testé, je crois. Vas-y. Oh waouh. Ah mais c'est l'arme du démon. Il faut que je remette. Ouais, remets-le. C'est quoi la touche? C'est Z. G. Waouh. Les amis, je sais pas quoi dire, je suis tellement choqué. On va le remettre à sa place. Waouh. Mais on peut tout faire avec. Attends, je vais tester avec toi. Bouge pas. Non, attends. Attends, deux secondes.
Je leur mets. Voilà, attends, bouge pas Nils. Ah non, je peux pas toi. Je suis invincible. Vas-y. Ah ah, moi aussi je suis invincible. Ouais. Ça se trouve avec des améliorations, on peut prendre des humains. C'est pour ça que ça peut être mortel. Hop là. Ouah, 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 je suis bugué. J'ai fait un truc pas bien. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. Je crois. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut aller sur le toit ici. Et là. Wouh. Ah, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ah, il y a notre maison. Ah ouais, on peut aller dans la maison. Mais t'as vu, je suis allé du sous-sol à dehors en un portail. C'est trop cool. On peut aller chez Manon. On peut aller chez... Eh, on peut aller de chez nous à chez Manon. On va faire ça. On va faire un portail ici. Et le deuxième, il sera chez Manon, ok? Tac. Faut pas mettre ici parce qu'après, les gens, ils pourront voir le portail. Ouais, mais attends, c'est juste pour tester, t'inquiète pas. Après, on l'enlèvera, évidemment. Après, on l'enlèvera. Ouais, eh. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Imaginez si la première machine c'était pour ressusciter Luki, la deuxième machine c'est pour se téléporter. Imaginez pour les 510 000, 520 000, 530 000 les machines qu'on va avoir. Ça va être impressionnant, les amis. Impressionnant. Ok. Tac, tac, tac. Du coup, là on met un portail jusqu'à chez Manon. Et là. Ah ouais! On va directement chez Manon quoi. C'est un truc de fou. T'imagines, on vend ça, on serait super riche. Ah, mais si on vend ça, on est milliardaire. Hein. Mais justement, faut le dire à personne, ok, okay. Attends, est-ce qu'on peut faire. On peut mettre Luki. Ah non, ils sont bloqués. Tac. Attends, on va pousser la copine de Luki, ok. Ah non, mais je l'ai mise dans le coin, merde. Tac. Oh, merde! Non, j'ai tapé Luki! Il est parti! Non, pardon, Luki! Non, c'est bon, il est avec moi. Je l'ai réveillé. Les amis, j'ai pas fait exprès, hein. Voilà, allez, on va le pousser. Oh, il a été TP. Oh, il est là. Il est là. Bon, en tout cas, il a l'air d'être bien content. Regardez-le. Ah, oh, bah oui, bah ouais. Vas-y, viens. Vas-y, on va le re-téléporter dans la. Bon, moi, ça l'a réveillé. Je l'ai fait une caresse un peu. Ah. Oh non, il veut plus. Je crois qu'il a pas trop aimé. Allez, on y retourne. Voilà. Oh, ah non, elle est là, sa compagne. Bon bah ça va. Tiens, tu veux lui donner à manger? Vas-y, je lui en donne. Et après tu le mets dans la roue. Tu sais comment faire pour le mettre dans la roue ou pas d'ailleurs? Je crois. Tu le mets sur ton épaule et après, hop, non. Hop là. T'as vu? Trop stylé, hein. En vrai, c'est trop stylé. Et voilà, bah il va courir jusqu'à ce qu'il sera dépensé. Bon, les amis, voilà, on va se laisser là, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Nils, déjà de cette. On va les garder, il faut que ce soit nos secrets, il faut les ranger. Ouais, il faut les ranger. Viens, on les remet dans le labo. Vas-y. Allez, je m'amuse une dernière fois et là, faut directement les mettre dans le laboratoire. Non, ah, parce que c'est trop dangereux ces armes. Imaginez. Non. Ok. Imaginez, il y a des gens, ils vont s'en servir pour des trucs de fou et tout. Il faut les remettre. En tout cas, moi je suis trop content, c'est d'avoir ouvert cette porte parce que ça faisait tellement longtemps. Regardez, maintenant elle est ouverte. Elle est ouverte, les amis. Ça faisait trop longtemps qu'elle était. Attends, mais fermée. Je viens de penser à un truc. Ouais. Attends, reviens. Ouais, vas-y. Du coup. Ouais. On peut aller voir ce qu'il y a là-haut. Là-haut? Non, ça sera pour plus tard, ça. Ça sera pour plus tard, t'inquiète pas. Oui, mais maintenant on peut. Ah oui, tu peux, bah vas-y, fais-toi plaisir, mais pour la vidéo, c'est mieux, quoi. Du coup, oh, non, bah du coup, j'ai fait une bêtise, attends. Voilà, c'est bon. Ok, bon, ça va, je sais manier un peu le truc, donc je l'ai remis. Ouais, c'est un peu bizarre, t'as vu. Oh, tu peux le changer de couleur, t'as vu. Ah oui. Il change de couleur quand tu lui... Quand tu le truc. Ok. Bon, bah, vas-y, arrête de jouer avec là. Arrête de jouer avec. Repose-le. Bon, les amis, du coup, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était incroyable. D'ailleurs, il doit y avoir un truc derrière ce gravier aussi, derrière la vitrine. Bon, voilà. Au moins, on a un peu plus d'indices sur la création du laboratoire. Donc, on sait que c'est pratiquement sûr, c'est des aliens. On sait qu'ils font des machines de dingue et qu'il faut pas que ça soit découvert par les humains. Et voilà, bon, mon fils il s'amuse
Et voilà. Donc voilà, il y a trop de questions qui se posent. J'espère que vous allez vous abonner à fond pour les 510 000 et tout, qu'on va pouvoir découvrir peut-être d'autres livres, d'autres trucs comme ça qui vont nous éclaircir sur la vérité. Bref les amis, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc reviens ici Nils, comme ça on finit la vidéo ensemble. Lucky il est venu. Ah oui, Lucky est venu, tu sais pourquoi? Parce que tu l'as pas assis. Donc du coup il se TP à chaque fois. Ah. Il faut l'asseoir. Bon du coup mets-le, je vais, bah vas-y, hop, je vais le mettre sur mon épaule. Bon les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez une dédicace dans la prochaine vidéo, eh bien n'hésitez pas, vous prenez un Oxy Sponsor, voilà. Et si vous voulez avoir une statuette pour la samedi prochain, eh bien n'hésitez pas, vous prenez un Oxyr, Oxy VIP ou Oxy Dieu. Ça permet vraiment de me soutenir en ce temps de confinement, puisqu'on gagne plus d'argent avec YouTube. Donc un énorme merci à vous ceux qui prennent ça. Et voilà, et je vous demande même pas de prendre le plus haut à 100€, je vous demande de prendre même à 5€ par mois, ça permet de me soutenir. Bref, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à commenter la vidéo, pensez à la liker. Je vous rappelle, 15 000 pouces bleus. N'hésitez pas à la partager, c'est le plus important. Et bien évidemment, si vous voulez ouvrir d'autres portes, eh bien abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymo. Allez, ciao, ciao.